Eh bien voilà, bonjour. Alors attendez, je vais vous montrer le paysage. Voilà. Voilà. Donc bonjour à toi qui m'écoute et qui me regarde. Alors, je vais essayer de faire des vues assez sympas, parce que comme il y a le soleil, je vois pas ce que je filme du tout, mais c'est ok. J'avais envie de vous partager ce petit moment que je suis en train de vivre. Voyez, regardez. Au soleil, se ressourcer. Et nature vierge, regardez ça, c'est juste magnifique. Profitez de cette vue et voilà, regardez, j'arrive sur le Mont Blanc qui est chapeauté, c'est-à-dire qu'il y a un petit chapeau dessus. Je sais que ça a une signification pour les gens du pays, mais je peux pas vous dire vraiment ce que ça veut dire. Mais en attendant, la vue est juste magnifique et juste belle. Si je fais ce petit direct aujourd'hui, c'est pour vous partager ce qu'elle est en train de voir et d'acter en fait. Ce matin, elle s'est levée avec encore des douleurs dans son corps et c'est ok. Mais justement, à partir de là, le matin, toi, quand tu te réveilles, tu fais quoi? Tu penses à quoi? Ce nouveau tableau qu'on te propose quand tu ouvres le matin de tes yeux. C'est comme si tu recommençais une journée. C'est comme si tu pouvais éventuellement créer autre chose que ce qui était déjà posé la veille. Donc tous les matins, c'est vrai que pour ma part, moi, je visualise ce tableau blanc et je mets dedans ce que j'ai envie de créer dans ma réalité. C'est-à-dire que quoi que tu vives, quoi qu'il se passe dans ta vie, que ce soit, peut-être tu es perdu, peut-être tu te sens avec des douleurs physiques, peut-être tu te sens, tu sais pas justement. Et ben justement, demain matin, quand tu vas ouvrir tes yeux, qu'est-ce que tu as envie? Voilà. Ne plus penser à ce qui ne va pas, mais penser à ce que tu as envie. Voilà, regardez ça. Là, il y a des gens qui arrivent avec leurs raquettes. C'est juste magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Donc vraiment, ose créer ce nouveau tableau chaque matin de ce que tu aimerais avoir dans ta vie. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des commentaires. Bonjour Christine. Bonjour Priscilla. Oui, coucou. Coucou de Alicia et moi, oui, des gros bisous à cette petite puce qui vient de pointer son nez. Fais-lui de gros bisous de la part de Tata Véro. Eh ben regarde un peu comme c'est juste magnifique, comme c'est splendide. Voilà, c'est vraiment super beau. Il fait très chaud. Il y a un petit vent, mais vraiment c'est très agréable. Je vous emmène un petit bout de chemin avec moi. Il y a un peu des gens un peu partout. C'est dimanche, donc les gens se promènent. C'est chouette. Voilà, là je monte par ici. Donc j'avais vraiment envie de partager ce petit moment avec vous. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait de direct. Et il y a mon petit chien là qui s'amuse comme une folle. Et voilà quoi. Franchement, elle n'est pas belle la vie? Hein? Elle n'est pas belle? Ben, si, si. Franchement, moi j'ai envie de voir. Attendez, je vais tourner ma caméra. Vous allez me voir aujourd'hui. Quand même, je vais. Voilà, regardez. Vue sur le Mont Blanc, franchement, c'est pas chouette. Alors, je vois rien de ce que je filme. J'espère que c'est cadré. Voilà, vous avez le Mont Blanc juste derrière. Regardez ça. C'est juste, juste magnifique, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Voilà. Donc, je vais vous remontrer le paysage parce que le but, c'était vraiment de vous montrer les paysages. Ce paysage magnifique. Je vais avancer un petit peu encore. Et en attendant, elle espère vraiment que tu vas bien, que tu passes un agréable dimanche. Et justement, là maintenant, si tu penses à tes problématiques, en fait, et ben tourne-les justement dans ce que tu aimerais. Qu'est-ce que tu aimerais à la place de cette problématique? Pense à ce que tu aimerais, en fait. Parce qu'on a souvent tendance à penser à ce qu'on ne veut pas. Donc, évidemment, l'univers nous aime et
nous gâte toujours sur ce qu'on demande. Donc aujourd'hui, là, maintenant, eh ben, vois ce que tu aimerais et ose poser ce que tu aimerais, justement. Voilà, ouais, c'était vraiment ça. Regardez, alors là, il y a le soleil. Bon, ça fait mal aux yeux, mais c'est tellement beau. Là, il y a le chalet qui est fermé, hein, parce que l'hiver, ils sont pas là. Enfin, là, ils peuvent venir, hein, s'ils veulent, mais c'est juste... Regardez ça. Enfin, moi, j'adore. Là, en face... Alors, attendez, parce que je vois pas très bien. Il y a un petit trou, là. Ici, là, ça, c'est des pistes de ski. Ouais, là, c'est des pistes de ski. Donc... Et moi, j'habite... Si j'arrive à me repérer un peu, attendez, avec mon doigt, carrément en bas là-bas. Voilà, j'habite là en bas. Quelque chose près, hein, parce que je vois pas très bien l'écran, mais c'est par là. C'est juste magnifique. Regardez. Prenez cet air pur, je vous envoie tout ça. Ce soleil, vitamine D hein, dans le soleil, hein. C'est naturel. Et c'est en plus c'est gratuit, donc franchement, allons-y à fond. Je vais prendre des gélules à la vitamine D. Mais regardez là, c'est gratuit. La nature nous l'offre gracieusement. Donc franchement, servons-nous. Franchement. En tout cas, moi pour ma part, je me sers volontiers. Je vais même m'asseoir après là et pour reprendre un peu de couleur, parce que c'est vrai que. Elle a été traversée par la nouvelle grippe à la mode. Et du coup, bah, c'est vrai que son corps est un peu impacté. Mais elle aurait pu rester sur son canapé et puis attendre ou dormir. Mais elle n'avait pas du tout envie de ça. Elle avait envie de bouger son corps. Parce que bouger son corps, c'est quand même très important. Ça fait partie du processus et bah du bien-être. De cet émotionnel, du bien-être. Regardez, j'ai mon petit toutou en haut, je ne sais pas si vous le voyez. J'adore, regardez. Franchement, si elle n'est pas heureuse. Et là, je vais vous emmener jusqu'au bout. Parce que derrière, il y a une autre vue. Bon, ça grimpe assez, hein. Je commence à m'enfoncer, j'ai pas de raquette. Mais c'est ok. Parce que... Voilà. En tout cas, Priscilla, si tu es toujours là... Fais des gros bisous à ta grande princesse et à ta petite princesse. Voilà, parce que ça c'est des petites princesses. Alors voilà. Voilà, là on arrive à un autre endroit. Je sais pas si je peux monter par là, mais je vous emmène dans mon aventure. Je vais traverser un peu parce que c'est un peu raide quand même. Honnêtement. Regardez, là déjà la vue elle a changé. Parce que regardez, en bas il y a des gens là qui font de la raquette. Il y en a, je me méfie parce qu'il y en a qui descendent en ski. Et regardez là, comme c'est juste magnifique. Comme la vue, elle a changé déjà là. Voilà. Je vais continuer à avancer. Parce que je voudrais vous emmener jusqu'à là-haut. Voilà. J'ai trouvé un petit chemin. J'entends mes pas qui craquent parce que c'est assez glacé en fait. La neige est assez glacée là où je suis. Regardez comme c'est juste magnifique quoi. Il y a toutes les traces de chaque personne qui descend en ski, en luge. En temps normal, je prends la luge et je descends après avec la luge. Et là, je ne l'ai pas pris, j'étais toute seule. Voilà, donc là, on arrive sur l'autre versant. Il y a moins de neige, ça commence à fondre. Mais c'est tellement beau. Voilà. C'est juste. Puis ça commence à fondre, hein. Ça commence à bien fondre. Je sais pas, ils annoncent de la neige lundi, mais je suis pas très sûre de leur truc. C'est-à-dire demain. On continue les toutous. Alors je vois qu'il y a des commentaires, mais j'arrive pas à les lire parce que j'ai le soleil. Je les lirai au retour. Il y a toujours quelque chose, hein. C'est le soleil ou quoi, mais c'est ok. Tout à l'heure, je vais m'enfoncer d'un coup. Je ne vais pas comprendre parce que il y a des endroits où c'est assez... Là, vous avez le soleil en pleine poire.
Il y a un nouveau petit chalet là-haut, mais c'est juste. Enfin, moi, je kiffe trop, quoi. Ne gardons pas ça pour. Ça serait égoïste de ne pas partager ça, quoi. Là, je m'enfonce à fond. Voilà. Là, j'arrive, je sais pas où. En fait, je suis dans les champs. Hein. Il y a des champs de vaches l'été, et ben, je suis dans les champs, quoi. On n'a pas la notion de. Voilà, là, je rejoins le chemin, en fait. Et moi, j'ai passé par le travers. Parce que je trouve ça plus rigolo. Il y a moins de monde en plus. Alors. J'espère que je bouge pas trop la caméra parce que oh, j'ai failli m'éclater par terre. Oh, je vous jure. Voilà, c'est juste. Alors là, je vais vous refaire un tour. Tu viens là, Maroxy, hein? Voilà. Écoutez, je vous refais un tour. On voit des montagnes qu'on voyait pas tout à l'heure. Attendez, je me cale parce que j'ai pas envie de me gameler. Voilà, regardez comme c'est juste magnifique. Voilà, vue sur le Mont Blanc, la chaîne du Mont Blanc. Puis là, on voit plus haut. Et tout au bout là-bas, je sais pas ce que c'est. Ça doit être les saisies ou. Je sais pas trop en fait. Je vais pas vous dire des bêtises. Voilà. Ah, je m'enfonce. Voilà, vraiment. Regardez ce soleil. Oh punaise, c'est trop beau. Ça explose les yeux, mais c'est trop beau. Voilà. C'est vraiment pour vous partager ce petit moment avec vous et faire participer à cette beauté de la vie, à ces beautés de paysages, parce que je trouve ça tellement beau, la montagne. Enfin, partout, hein. C'est partout joli en fait. Hein. Le monde est beau partout en fait. Il suffit de voir la beauté de chaque endroit. Mais là, il y a un petit vent, peut-être vous entendez, mais c'est ok. Voilà. Donc c'est vraiment pour vous faire un petit coucou. Voilà. Moi, je vais me poser là un moment et puis prendre du soleil et me poser juste là. Justement, un moment à ne pas penser et juste là, à se poser et admirer ce qui se passe. Et ça, c'est chouette. Voilà, donc je vous dis à demain soir au Chaudron Magique. Prenez soin de vous, passez un agréable fin de dimanche. Et je vous embrasse, je vous aime et prenez soin de vous. Prends soin de toi, à toi qui me regarde et qui m'écoute. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Je vous embrasse, je t'embrasse. Et là, je vais me poser vraiment un moment. Je vais m'allonger dans la neige carrément. Et vraiment, c'est pas des bêtises. Je vais le faire avec vous d'ailleurs. Il faut que je me trouve un petit coin. Et après, je vais couper. Je vais me poser là. C'est pas mal. Il y a des gens qui arrivent. Justement, la vie va me proposer justement des rencontres. Des... Et c'est ça qui est chouette, c'est ça. Se laisser porter. La vie, je m'enfonce. C'est ça qui est chouette. C'est bonjour. C'est se... Non, Roxy. C'est se laisser porter, se laisser. Regardez, je vais me poser là. Franchement. Et alors là, voilà la vue que j'ai. Et regardez, je vous mens pas. Je suis carrément assise dans l'herbe. Dans l'herbe. J'ai pas fumé. Dans la neige. Et là, mes fesses sont emboîté dans la neige, je vous assure, c'est extra. Et là, je vais me poser dans le silence. Enfin, si mon chien veut bien se taire, mais dans le silence. Et ça, franchement, c'est ce qu'on appelle vivre. Vraiment. C'est vraiment ça, vivre. C'est se poser, rien attendre, et laisser la vie vous proposer des choses. J'en suis sûre et persuadée que la vie va me proposer des choses. Et ça, c'est chouette. En attendant, écoutez, je vous fais des gros gros bisous et moi je vais me poser là un moment et c'est chouette. Je vous embrasse, je vous remontre le Mont Blanc pour une dernière fois là et je vous dis à demain soir au Chaudron. Regardez la vue que j'ai. Voilà la vue de Véronique. Véronique, la fille sur terre, voilà. Parce que je suis venue là quand même, c'est vraiment pour m'ancrer et vivre dans la matière, hein. C'est pas pour rester perché là-haut. Donc là, je suis vraiment dans la matière, hein. Je ne peux pas faire mieux. Mais par contre, je vais profiter de ce moment-là, vraiment.
vraiment profiter de ce moment-là et me poser. Donc, je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à demain soir et à bientôt. Et puis, je lirai vos commentaires après parce qu'il y a tellement de soleil que je ne vois pas. Je vous embrasse et à demain soir.